Allez, salut tout le monde, c'est Diablo et on continue notre épopée avec la Chine. Donc la fois précédente, on avait fini la mission numéro 1, voilà, hein, vous avez le résultat de la mission. Donc on a win hein, facilement. Et on va appuyer sur la petite touche continuer. Continuer, oui. Voilà, c'est parti. Une cellule active de la GLA vient d'être découverte à Hong Kong. Nous pensons qu'elle projetait un attentat contre les bâtiments du centre commercial. La cellule doit être neutralisée et ses membres éliminés. Frappez fort, général, et sans pitié. Ouais, parce que j'ai été promu, hein. Maintenant je suis général. Non, sans déconner. Bon. Donc, mission numéro 2. De mémoire, je crois qu'il y a 7 ou 5 missions par faction, je sais plus. Non, je crois qu'il y en a 7 pour général et 5 pour RH. Ouais, ça doit être ça. Ah, le pont. Ça y est, je me rappelle de cette mission. Le pont est solide pour supporter tout ce poids. C'est mauvais ça, le petit bateau vert qui vient de passer. Est-ce qu'on entend là aussi, ce qu'on voit? Général, les terroristes contrôlent le pavillon des expositions. Il faut nous résoudre à le détruire, ainsi que les parkings attenants afin d'endiguer cette lourde menace. Le pont, il n'y a plus de pont. C'est tout ce qui reste du groupe d'assaut. Nous devons bâtir un poste de commandement et un radar. On construit notre base ici. Donc pour tourner les bâtiments, il suffit de maintenir la souris et d'orienter les bâtiments. Ça c'est une petite astuce que peu de gens connaissent. Enfin du moins ceux enfin, j'ai vu quelques vidéos d'autres let's play qui sont effectués sur le jeu et c'est pas très connu. Voilà, on va faire le dépôt de ravitaillement là. Désolé, chef, c'est impossible. Ouais, on va mettre plutôt là. La Chine va s'agrandir. Là, il y a une caisse. Ça, c'est les fameuses caisses qu'on peut ramasser pour avoir plus d'argent. J'ai appuyé sur rouge. Bien, général. Bien compris. Nous stationnons ici. Terminé. Nous avons un grand projet. Ah oui. Nous sommes les gardes rouges. Là, ils ont un petit peu des petits soucis de... pour s'orienter les trucs. Donc, ils ont demandé un radar, on va faire un radar. Ouais, on va faire directement l'usine à tank, hein. Pas besoin de. Je ne peux rien construire ici. De caserne pour le moment. Voilà. Je construis pour la Chine. C'est un bon début. Nous avons de grands. Amélioration achevée. On va mettre une gâtine ici. Ce que... Bel emplacement. Ouais, de mémoire, là, y a un truc. Voilà. Ça, c'est la fabrique de tanks pour la GLA. Il y a un hôpital à capturer pour pouvoir soigner les unités. Allons prendre livraison. Enfin, l'infanterie est là. Voilà, la base ici. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a un brouillard de guerre, mais on peut quand même voir la map. Par contre, on peut pas voir où sont les unités. Ça, c'est quand même logique. Ouais, j'ai fait une gâtine ici au cas où ils arriveraient. Et j'ai mis des unités en garnison, si bien sont en ville, donc voilà. Autant se servir de l'environnement.
J'aime les grosses cibles. C'est bon, mais je peux quand même faire une cratère en cas où. C'est un bon choix. Là, j'ai aussi des caisses que je peux ramasser. Et j'ai ça. Donc, ça, c'est bien. Barrage artillerie. Alors, si j'envoie là, ça envoie des obus. Trafiquant d'armes. Construction terminée. Ça, par contre, faut faire gaffe. Et le train aussi. Un train approche. Éloignez-vous des rails. Prêt au combat. Vous remarquerez que le train ne s'est même pas arrêté. Ils sont quand même descendus. Ça, c'est dans un script. Hein. On reçoit des renforts par train. Ça, c'est une particularité de la mission. Hein. Normalement, dans le jeu. Ça n'arrive pas. Allez, on va commencer à faire pas mal de tanks. Donc là, une nouvelle unité, les Gatling. Donc, avec notamment la tourelle de Gatling, Travis Gatling et les chars. Donc Gatling, c'est. Comme vous pouvez le voir. Hein. Général, ils utilisent leur tracteur bactériologique. Ils tirent une matière verdâtre toxique. Que vos soldats restent à bonne distance. Envoyez vos chars s'en occuper. Voilà, ça c'est particularité de la GLA, ils sont des tracteurs eux, alors que nous on a des chars dragons. C'est pour ça que je fais des tanks et tout ça là, on va mettre en retrait, c'est pour ça que j'avais hésité à faire une caserne. Inconsciemment je me dis c'est bien. Donc là il y a un point blanc sur la carte. Division blindée chinoise. Ouais, je vais faire une défense ici aussi. Ça sera très beau. Ça, c'est quoi ça? Ouais, un bâtiment ici. Unité perdue. Ouais, surtout qu'ils peuvent déloger les unités en garnison. Ça, c'est une particularité des chars dragons et des tracteurs. C'est dès qu'ils tirent dans un bâtiment qui est occupé, ben ça tue tous les occupants. Nous défendrons ce territoire. Ouais, vaut mieux que je fasse un bunker. Sous le bunker, eux, ils peuvent pas le déloger les personnes qui sont dedans. J'ai manqué d'énergie. Nous avons de grands projets. Je vais mettre ma centrale là. Hop, sur la route. Va s'agrandir. Rien à foutre. Dans les faut faire quand même gaffe à ça et à ça. C'est bien qu'on se retrouve dans le noir. Donc c'est logique. Ça c'est plus fonctionnel. On va faire 5 autres tanks ici. Maître de guerre en rapport. Construction dans les normes. Ça c'est touriste. Dissipeur de chars. Trouvons ces chars. Lance-roquette pour la Chine. J'attends vos ordres, mes gardes rouges. Encore des unités qui vont mourir si ça s'approche trop près des. Putain, y'en a un. Unité perdue. Nous avons de grands projets. Nous vivrons dans la prospérité. Je vais en faire un coup ici. Bel emplacement. Je combats pour l'armée rouge. La Chine a été généreuse. Bien sûr. Division blindée chinoise. Ça, comme je disais, c'est les terroristes, hein, c'est les kamikazes. Construction terminée. Ils envoient aussi des voitures piégées. Je sers les besoins de la Chine. Guerre en rapport. Je combats pour l'armée rouge. Nous vivrons dans la prospérité. On va faire un deuxième bunker, enfin un deuxième Gatling. C'est un bon choix. Ouais, c'était un peu une mauvaise idée de mettre les unités en garnison dans les bâtiments. Il y a des chars. Ils envoient les tracteurs, c'est un peu. Traquons l'ennemi. Là, j'ai l'impression qu'ils envoient que des soldats. Donc, on va tenter avec ce bâtiment-là.
Ouais. Le Chargat Team ici, cet temple là. Où est la bataille? On va s'occuper de ça. Nous défendrons ce territoire. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est capturer le bâtiment. Je suis au garde à vous. Ça enlève quand même, ça enlève un peu de vie. Ça, je veux pas qu'il explose. Voilà. Ah, le ferry. Amélioration achevée. Sont une plaie pour les affaires. Embarquez vos troupes et je vous amènerai au pavillon des expositions. Vous pourrez vous infiltrer et les prendre par surprise. Cliquez sur le bouton transport quand vous serez... le ferry. Ouais. Mais non, moi je préfère les attaquer de front. Ça c'est possibilité, c'est possible de détruire mais... Maître de guerre en rapport. Comme le petit logo l'indique, c'est bactériologique donc... Dès que je l'aurai détruit, ça va tout, en, tout infecter... La zone. Putain, il me suit. Je combat pour l'armée rouge. J'obéis à ça. À l'attaque. Unité perdue. J'attends vos ordres. Allez, on va vite fait capturer le truc avant qu'ils reconstruisent des tracteurs. Maître de guerre en rapport. Chimique, voilà, ça permet de réduire les coûts de construction des unités, enfin des véhicules, ce qui est pas mal. Ils en envoient des quelques. Donc avec souris, je peux zoomer et même. Non, je peux pas pivoter. Non. À moins que avec tab, t'as un chèque. Ouais. Il y a moyen de pivoter, mais. Maître de guerre en rapport. Peut-être que c'est dans l'extension et pas maintenant. Donc voilà, les unités de la GLA pour cette mission là, c'est le tracteur biologique et les jeeps. On va faire quelques tracteurs. Défenseur de la paix, bien général. L'armée du peuple est là. Hop. Allez, on va envoyer un engin de chantier ici. Ça saute. Gatling, prête à l'emploi. Tire à volonté. Bien sûr. Félicitations, général. Vous avez été promu. Ah, j'en ai eu deux. C'est nickel. Hop. Avec tous les soldats que j'ai là, il y a moins de femmes qui te percer. Je tiens en route. Oui. Allez, hop, on va stationner devant leur base. Envoyer une petite frappe. Unité perdue. Il a l'air dans le dépôt de ravitaillement. Cache de ravitaillement, le truc est ici. Ça, c'est un entrepôt de ravitaillement, comme vraiment l'indique. Donc là, ça permet d'avoir. Ça stocke plus de. Plus d'argent. Là, c'est nickel. On va faire une autre centrale au cas où. Excellente idée, général. Merde. Ils sont pas cons. Hein. Dès que je bouge mes unités, ils en profitent. Unité perdue. Merde. Comme les chars dragons, ils ont une capacité spéciale. Là, ça contamine une zone. Démonstration. Voilà. Unité perdue. Bon, allez, on va en finir. Je voudrais pas que l'épisode dure trop longtemps. Tout de suite.
Ça c'est une nouvelle capacité aussi, ça permet d'avoir un napalm noir, donc voilà, plus de 5% de dégâts pour les chars dragons. Mais je vais pas le mettre parce qu'on a pas de chars dragons et puis... Unité perdue. Tout de suite. On va bientôt finir. Allez hop, c'est parti. Il y a des petits bugs aussi hein. Je suis au garde à vous. Oh, c'est un sacré bâtiment. Unité perdue. Unité perdue. Ouais, voilà. Unité perdue. Bon, on a gagné là. On va pousser voir bâtiment. Unité perdue. Je crois qu'il faut pousser. Pousser ça aussi, parce qu'apparemment c'est. C'est un bâtiment. Qui leur est propre. La menace terroriste est endiguée. Bon travail, général. Bon, c'était un peu plus laborieux que la première mission, mais on est venu à bout. Hein. Voilà, voilà. Donc, que dire de plus, si ce n'est à la prochaine. C'était Diablo. Salut!